beaucoup. Bon, petite vidéo vite fait, c'était pas prévu. Là, il est minuit passé. Il est bientôt 1h du matin et on va à l'hôpital. On va à l'hôpital pour Océane. Océane. Voilà, elle est derrière, on la voit pas. Parce qu'en fait, elle fait des laryngites striduleuses. Normalement, elle va expliquer ce que c'est parce que. Je sais pas exactement ce que c'est. En fait, ce qui passe pour une laryngite, c'est que la cortisone est sous masque. Et du coup là, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille à l'hôpital, parce qu'elle a déjà fait plusieurs fois et c'est l'hôpital qui nous a dit quand elle est en crise comme ça, il faut la ramener à l'hôpital, et à chaque fois c'est la nuit, hein. Et chaque fois vers 1h du matin. Donc mais là ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas fait. Ouais, donc c'est pas une grosse urgence, mais en fait elle doit, parce qu'en fait c'est son, elle a quelque chose en fait qui l'empêche de respirer, enfin qui en fait, a du mal. On a l'impression que c'est comme une crise d'asthme, en fait elle respire comme ça et ça fait extrêmement mal. Et de toute façon, il n'y a que la cortisone qui peut passer. Et le truc, c'est que moi, j'en avais, mais bon, elle est périmée, donc je ne l'ai pas donnée. Et le plus pour passer, c'est vraiment, ils donnent la cortisone plus cortisone avec le masque. Donc là, et après, ça ira beaucoup mieux. Oui, en fait, ouais, voilà, c'est... En fait, nous, on est habitués, donc on ne panique pas. Là, tout à l'heure, elle est venue vers moi, elle est venue, elle a paniqué. Je lui dis, écoute, respire tout doucement. C'est comme, ouais, comme une petite crise d'asthme, en fait, mais il y a Ça ressemble, ouais, à une crise d'asthme, parce qu'en fait, la façon comment elle respire, c'est impressionnant. Et puis, du coup, la pauvre, elle a paniqué, parce que quand elle tousse, en plus, ça lui fait mal. Et du coup, elle a du mal à reprendre sa respiration. Donc, et même, elle n'aurait pas pu passer la nuit, toute la nuit comme ça. De toute façon, vous allez voir, je vais filmer dans l'hôpital. Je ne prendrai pas la caméra. Je filmerai de l'appareil photo. Du téléphone, ramener, ouais. Ramener une caméra. Donc, je filmerai vite fait quand on sera dans la chambre. Vous verrez. Vous verrez. En fait, c'est impressionnant, mais il y a... C'est rien d'alarmant en fait, ouais. Et vous allez voir. Mais là, de toute façon, on va bientôt arriver à l'hôpital. Ouais, de toute façon, là, on arrive. Et puis, on montrera vite fait. Bon, regardez, on est à l'hôpital. Il y a Océane. Elle a une petite laryngite striduleuse. Elle n'arrive pas à parler, ça fait du bien aux oreilles. Essaye de parler. Arrête. Parle avec ta voix. Tu vas la faire tousser. Donc là, en fait, elle doit se mettre sous cortisone. Ils vont mettre un masque pour qu'elle respire dedans, et de la cortisone dedans pour que tout se dégage. Donc il n'y a rien de grave, mais il faut que ça soit soigné rapidement. Donc voilà. Petite. Il est 2h du matin. Elle est pas là. Ah ouais, il n'est pas à l'heure. Il est 2h du matin. Ah, il est 2h15. On est cru. Bon voilà, c'est ça qu'elle doit prendre, Océane. Donc c'est de la cortisone en fait à inhaler quoi. Ouais. Et c'est la seule chose qui lui passe en fait. Donc à chaque fois qu'elle fait, à chaque fois qu'elle fait une laryngite striduleuse, on est obligé de passer par là. Là ça fait 2 ans qu'elle n'a pas fait. Je crois, je travaillais à Luxair. Ouais. Je travaillais à Luxair encore. Ah que avant elle nous en faisait. Une fois tous les 3 mois. Ouais. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut des urgences. Et à chaque fois, c'est la nuit. Donc, regardez la tête qui est là. Bon, après, ça va, elle est pas mal. Pas, ça respire normalement. Bon, ça va passer. Ouais, et là, il est. Regardez l'heure. 3h10. Voilà. Elle est venue à l'hôpital. Mmh. Ouais, ça va aller. Demain, ça ira beaucoup mieux. Bon. On s'est levé il y a pas longtemps. Hier, on s'est couché à 5h du matin. Ouais, 5h, ouais, ça, presque 5h. Donc, Océane, elle est restée à la maison avec nous. Ça va beaucoup mieux. Parfois, je tousse un peu vite. Oui, mais bon, ta voix, ça va beaucoup mieux que ce que tu avais cette nuit, quoi. Oui, oui. Donc là, on va la laisser 2 jours à la maison pour qu'elle se repose parce que, bon, froid par-dessus. Oh, ouais. Donc là, elle va être sous cortisone à partir de demain. Enfin, si ça va, on lui donnera pas. On verra. Mais elle va se soigner. Maman, tu sais qu'est-ce qu'on a oublié le bonbon. Quel bonbon? Quel bonbon, médicament? Elle a dit que la médecine allait. Non, elle a dit qu'il fallait attendre un petit peu la médecine pour te donner. Mais elle a dit le 1er décembre. Ouais, ben pourquoi il prendra la pharmacie? Oui, t'inquiète pas, de toute façon, je vais passer à la pharmacie après. Je me suis habillé, on va passer à la pharmacie, et après, il faut que j'aille chercher Alicia.
À l'école. Et maman va faire sa sieste. Non, je vais pas dormir. Oh, sinon. Alors, on s'est levé, il était 11h, je crois. Un truc comme ça. À Océane, un peu plus tôt. Oh, même pas 11h. Oui, ouais, même pas 11h, quoi. Bon, après, on s'est couché à 5h, donc. Ouais. Il est KO. Ouais. Ben ouais, c'est pour ça, c'est journée repos, on va dire. Ah, moi je vais passer, je vais chercher Alicia. Après, au retour, j'irai avec elle aux actions. Pour, si tu m'as dit, j'ai acheté 2-3 trucs. Là. Ouais, faut que j'achète des. Tu m'as fait une petite, ouais, une petite liste. Mais bon, Océane, ça va beaucoup mieux. Elle a juste besoin de repos. Elle est un peu blanche aujourd'hui, mais. Ouais, après, elle est pas traque. Ça va. Mais t'es froid. J'ai les mains froides. Et vous êtes froid. J'avais mes mains gelées. Mais toi, t'es bien dans ton. Pyjama là, il est trop chaud aussi. Trop chaud. Je suis trop bien dedans. Mais bon, elle a meilleure mine que cette nuit déjà. Regardez. Ouais. Comme vous l'avez vu avec le masque là. On va essayer de se reposer. Bon, là, du coup, je vais chercher Alicia à l'école parce qu'elle finit à 14h. Donc là, je suis déjà un petit peu en retard. Parce qu'en fait, regardez, je sais pas si vous voyez, il a commencé à neiger en fait. Donc là, ça tient énormément. Elle a peur que son bus ne passe pas ce soir. Donc je vais, parce que sinon elle traîne un peu avec ses amis pendant 2-3 heures. Elle va en permanence faire ses devoirs. Donc là je vais aller la chercher à 2 heures, comme ça elle n'est pas embêtée pour ce soir, au cas où s'il n'y a pas de bus. Et en plus ils annoncent de la neige encore pour tout à l'heure. Donc si ça tient, ça c'est risqué de rouler quoi. Enfin même si j'ai les pneus neige, mais bon, je préfère venir la chercher comme ça, on n'est pas embêté pour ce soir. Bon voilà, Alicia elle est là. Du coup regardez, là où je suis, il n'y a plus de neige. Donc c'est incroyable, si Alicia elle veut montrer dehors, c'est Alicia qui filme. Ah j'en ai plus que là. Surbrillé, c'était blindé. Regardez, surbrillé, c'était blindé. Et là, il n'y a plus rien. Donc en fait, je suis venu la chercher pour rien, elle aurait pu rester avec ses amis. Ouais. Mais bon, c'est pas un truc que je peux anticiper malheureusement. Enfin, j'ai regardé la météo, ils annoncent de la neige. Donc c'est pour ça, je préfère venir la chercher, on sait jamais. T'aurais pu rester 2 heures avec tes copains. Ouais. Et tes copines. Ouais. Ouais, on sait jamais. Si moi j'allais jusqu'à 3-4 heures et qu'après il y a 10 cm de neige, je peux rouler, mais bon, c'est prendre des risques pour rien, donc c'est pas la peine. Donc là, on va aller rejoindre maman Océane à la maison. Océane, je crois qu'elle va, elle va rester quelques jours à la maison pour bien récupérer. Parce que mine de rien, elle passe des nuits. Elle a passé une nuit catastrophique. Oh, j'avais rien compris, je me suis rendormie. Ouais, parce que oui, là elle vient de me dire, j'ai compris, on part surveiller Océane. Ouais, j'ai compris ça moi. Après, voilà, elle a dit, elle a compris, on partait à l'hôpital, donc ça elle l'a compris. Oui. C'est le plus important. Mais bon, Alicia, elle peut se gérer elle-même. Ouais. Ah là, vous m'auriez réveillé, je vous aurais dit, hein, non, le partez sans moi, je reste là. Ouais, parce qu'une fois on avait fait pareil, en fait j'avais eu une pointe, en fait ça me prenait tout devant ici, jusque dans le dos. Et ça m'avait inquiété, parce que c'était vraiment une douleur intense. Et on était parti aux urgences, j'avais pas filmé, j'avais pas fait de vidéo. On était parti à Thionville quand même. Ouais, on était parti à Thionville, on est rentré, il était 7h, 8h du matin, 8h du matin je crois. Et en fait, c'est un nerf qui était coincé, parce que moi je pensais que c'était le cœur, parce que c'était à ce niveau-là. Enfin, je sais pas si vous voyez sur la cam, non, Alicia, non. Ah non. C'était à ce niveau-là, en dessous du pectoral. Et en fait, ça m'avait pris comme si c'était. Voilà, moi je pensais une crise cardiaque au début, enfin, je paniquais. Et en fait, non, c'était un nerf en fait, qui était coincé et ça fait extrêmement mal. Je sais plus le terme exact, mais ça fait très très mal. Ah ouais, du coup, plus jamais je vais à l'hôpital. Hein. Ah ouais, on était. Partez sans moi, je vais en cours toute seule. Ouais, on était parti à 10h, je crois. On était rentré, il était 8h du matin. Ah, c'était horrible. Les urgences françaises, c'est une catastrophe. Après, moi, c'était pas vraiment une urgence, mais sur le coup, je savais pas. Moi, pour moi, c'était un truc grave. Mais en fait, non. J'en sens mieux. Mais il y en a qui vont à l'hôpital parce qu'ils ont, ont mal au ventre et c'est une gastro. Voilà, tout simplement. Des fois, ils vont aller voir le médecin qu'aller aux urgences pour rien. Ça sert à rien. Moi, sur le coup, je savais pas. Si je savais que c'était un nerf, j'aurais pas été. J'aurais été chez le médecin et voilà. Pas savoir. Ouais. Bon, maman elle m'a fait acheter ça. Alors je vous explique. Parce que maman, elle abuse. On est passé au Action, mais j'avais dit non. Non, c'est pas au Action, c'est au Super U. Au Super U, et j'avais dit on l'achète pas. Sauf que maman, il en restait qu'un. Non, bah, quand on est passé, il y a une quinzaine, et du coup, ouais. Le lendemain, il en restait qu'un. Je dis je le prends. Donc voilà, elle me l'a fait acheter.
Elle m'a dit oui, mais tu sais, comme ça, à la maison, on le met en route, ça passe l'aspirateur, ça lave tout seul. Ça aspire, ça lave. C'est magnifique. Donc, je lui dis, vas-y, on l'achète. Voilà. C'est pour les feignants. Ouais, c'est bon, vrai. C'est pratique. Mais c'est pratique, ouais. Voilà, comme vous voyez, on est en pyjama party. Hein. Enfin, pyjama, journée pyjama en fait, parce qu'on est KO, on est. Ouais, on n'arrive pas à immerger. On va se coucher tôt ce soir. Océane, elle se repose, donc tant mieux. Mais bon, ça va, c'est une belle affaire. Au lieu de 200. On l'a eu à 100. On l'a eu à 100, donc c'est une bonne affaire. Bah, on part, on va se balader le temps où ben, lui travaille à la maison. Voilà. Bien, hein. Ouais, non, c'est ça. C'est bien. Non, mais ça va être bien. Ça va être pratique. Mais on ne va pas se balader parce que là, je suis malade. Oui, non, mais. Ah bah aujourd'hui et demain, non, on va faire le strict et là, minimum. On va le mettre. Papa, il va le brancher déjà. Ouais, je vais le mettre en route là. On va regarder comment on s'en sert aussi. Ouais, mais ça va aller. Il y en a une, elle a découvert un jeu. Regardez, regardez quelque chose. Elle se demande ce que c'est en fait. Regardez. Voilà, ça, alors elle est en mode. Bon, c'est quoi ça? Ça va lui foncer dessus, on va voir comment elle va réagir. La peur. Un jour on va la retrouver dessus. Elle va faire le tour de la maison. Bon, franchement, ça marche bien, c'est pas mal. Mais Cachou, elle est intriguée. Ah, il n'y a plus de batterie. Ah, bah on vient de l'acheter. Ouais, il est neuf. Là, il va. Il va aller à la charge. Ouais, il va trouver la charge tout seul. La recharge qui est juste là. Tata, il a bugué. Mais Cachou, elle est intriguée. Elle a sauté, elle a fait un bond du canapé. Elle était juste là. Elle a fait. Bon, regardez. Il y a la mamie qui est passée. Elle a bu un petit thé avec nous. Et elle nous a ramené ça du Maroc. C'est ce que avaient fait les filles. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et en plus, il me semble que Massilia et Camilia les ont peints. Sur une ancienne vidéo. Donc là, Océane, on va attendre qu'elle aille un peu mieux. Elle est là, elle est juste là. Bon, ça va beaucoup, ça va un peu mieux. Je pense que la cortisone s'y fait. Là, on va manger, elle va aller au lit. Et elle fera ça demain. Franchement, il y en a qui sont, ils sont vraiment beaux. Donc elle va les peindre. Bon, voilà, de toute façon, Océane, elle va partir au dodo. Parce qu'elle est vraiment en train. Enfin, elle va manger, on va partir au dodo. Là, Alicia, elle est en train de faire. Ses révisions pour le brevet. Enfin, elle a commencé, mais il faut bien qu'elle continue, quoi. Et la prochaine fois, ils feront ça. Comme ça, ça lui fera une petite activité. Oui. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Au sein, ça va beaucoup mieux. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Elle tousse quand même. Elle tousse, mais elle a récupéré sa voix. Elle est. Voilà. Enfin, je pense qu'elle va se reposer toute la semaine à la maison. Je pense qu'on va la garder. Pour qu'elle se repose au maximum, parce qu'elle a quand même une toux et on n'a pas envie qu'elle retombe froide, enfin qu'elle reprenne froid par-dessus et retourne à l'hôpital. Pff, non, merci. Bon, voilà, on dit à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.